comme conseil administration Chambre de commerce haïtiano-panaméenne et intercaribéenne CCHPIC. Nous saluons tout le monde de la presse qui est présent avec nous matin. Notre objectif pour faire bilan visite nous dans Panama. Aujourd'hui, nous réunis là pour nous parler du résultat objectif dirigeant Chambre de commerce CCHPIC qui ont été fixés dans quatre voyages dans Panama et dans quatre projets qui ont été initiés nous pour relancer les relations commerciales Haïti et Panama qui était un véritable combat pour aider Haïti à faire face à toute série de problèmes la confronter dans le commerce. C'est avec un sentiment de satisfaction n'a dit que nous arrivons à remplir la mission dans le pays Panama. Puisque nous arrivons à répondre à l'attente du secteur MPME, à l'attente commerçants dans le secteur qui n'a pas de gain accès à le marché Panama depuis plus de 10 années. Chambre de commerce CCHPIC résout le problème ça. Nous résolvons. Nous profitons de remercier tout M. Ferrari Giovanni, président Zone Franche Colon, à toute l'équipe Lyon pour bel accueil qui était réservé pour la délégation haïtienne. La délégation a été rencontrée avec l'autre autorité responsable de la question visa Panama, tant que responsable immigration. Ak responsable ministère de la sécurité publique côté yo pral essayer un programme de visa spécial pour commerçants New York qui c'est qui relé visa touriste d'achat alors commerçants New York pral gen visa ou pral bay visa son baga, son visa spécial qui relé visa touriste d'achat CCHPIC pral signer un protocole d'accord ak responsable zone franche colon qui pour permettre un commerçant pour que permettre commerçant au jeune visa ça plus facile mais faut que nous profiter dit pour nous faut que tout commerçant qui vient faire demande visa touriste d'achat faut que les marchés à bon jean bref qui pour permettre responsable CCHPIC vérifier si c'est bon jean commerçant yo est vrai tant coup faut que gagne patente attestation bancaire, plus relevé bancaire, CIP, carte d'analogue, photo d'identité, tant que même photo qui sous passeport. Responsable Panama yo capable octroyer seulement 100 visas par semaine à raison de 50 visas. Et chaque semaine, capable de gagner d'ici, si on prend lundi, dimanche, mercredi, 50 commerçants ont besoin de moyens pour partir. Et si on prend, parce qu'on a besoin de deux vols par semaine, si on prend mercredi et pour dimanche encore, l'avion a parti encore avec 50 autres commerçants. Ça, qui vous permet, commerçants, qui gagne visa touriste d'achat. Commerçants ont descendu directement Colomb. A bien un autobus qui prend yo na aéroport international Colomb qui va le mener yo dans hôtel qui tout près zone franche là. Nous parler déjà à responsable Sunrise Haïti qui était rencontré à responsable zone franche là tout. Nous pas rencontré même jour. Sunrise avec l'autre chambre de commerce te rencontré avec responsable colon yo et le jeudi nous même le vendredi nous te rencontré nous te faire rencontre pas nous chambre te faire rencontre pas faut que nous tienne tout chambre de commerce haïtienne panaméenne et intercaribéenne te faire un bon travail parce que depuis plus passé 10 l'année pas de commerçant qui te ca al Panama directement ça veut dire faut passer par ces domaines. Si vous avez un visa Panama et si vous n'avez pas tout, si vous avez un visa américain, vous passez par Miami. N'a pas annoncé commerçants nous à partir du 17 août 2022, vous êtes capable à Panama directement avec Sunrise Airways sans escale. Sans faire escale dans aucun autre pays
et n'a bien deux vols par semaine avec Sunrise Airways qui prend commerce en New York Haïti et qui va le mettre directement colon na Panama tout près zone franche là. Panama n'a profité dit Panama pas gain aucun problème avec Haïti. Panama te plutôt gain problème migration. Yo te gagné alors pour empêcher moun vinn rete la caillou parce que Jean je t'ai expliqué géographiquement position yo et qui l'Amérique centrale là et que qui tout près Colombie, qui tout près Costa Rica, Mexique parce que depuis Panama on ka faire en pile route. Alors yo même yo mette en pile balise pour que moun pa vinn rete la caillou. Ces balises ça qui permettent que visa Panama est très difficile pour commerçants ou bien l'autre monde te ka al Panama. Mais jodiyan nous ka di chamnan résoudre problème ça. Faut que nous même en Haïti résoudre problème migration par nous parce que nous même nous avons problème migration côté la mené nous et vraiment nous ka di nous paraît l'aide dans monde là. C'est pour nous envisager diminuer hémorragie humaine ça qui a ravagé Haïti problème migration. Faut que nous mettions toute force courage nous pour nous recamper pays qui fin aller tout le monde qui pour ta travail pour économie camper yo tout fin aller yo prend canter si yo pas gain temps mourir dans mitan la mer y a le bon courage yo dans pays l'étranger. C'est pour l'état ta mettre plus structure dans pays pour empêcher jeunes nous yo al risquer vie dans mitan la mer qui vraiment fait nous paraître très laid dans monde. Nous même le secteur a une situation qui vraiment est préoccupé nous en pile vu que insécurité hein, et nous connaît que marché Hippolyte dans longtemps à l'époque comme de là Jonas de là tout et c'était poumon économique pays hein. Mais aujourd'hui nous radiant. Nous tout le monde c'est avec tristesse vous n'a regardé ça qui a passé là parce que imaginez à l'époque tu connais plus que 200 300 conteneurs qui rentraient par semaine et a débarqué en bas la ville là par semaine pas tout le secteur pas nous ça que les secteurs informels là qu'on n'a pas informé encore parce que nous mêmes nous fait chambre n'a cherché formaliser tête nous et c'est une bataille il était et faut que moi dis nous moi même c'est pas première fois me bataille sur dossier Panama et ceci n'a fait depuis sous président Préval nous t'a pour même pour que yo te ban nous tout respect nous Panama mais jodiyan ça commencé mon ka di nous va regarder si les conditions a pas amélioré à partir de gens nous organiser tête nous. C'est avec un pile tristesse n'a regarder ça qui passe en bas la ville aujourd'hui parce que moi même en bas la ville sorti c'est dans marché Hippolyte dans Axi depuis 2000 et 2004 2003 n'a goumé jodi a nous commencer vraiment nous pas dit nous c'est nous tout le monde commencer et formaliser mais nous ka di nous sorti dans secteur informel là pas à pas nous commencer vers la formalisation et soit regarder centre commercial moderne que monsieur Jonas Vincent président sinal font coup de dans centre commercial là n'a point secteur font gros avancer et nous ka di et nous pour aller de jour en jour vers la formalisation à 150 conteneurs bien 200 conteneurs qu'on a pris par semaine ouais va les jobs indirects nous te créer mais je dis est-ce que nous arrêter dans tout pays fell dans le monde à occuper par commerce non donc comme par le passé non nous pas capable monde qui était en bas la ville dans marché politio ce sont des résignés qui rete. C'est parce que pas gain l'autre à tout qui fait obligé rete en bas et yo aller au péril de sa vie de vie. Et nous connaît combien nous ka dit combien grand commerçant nous perdu dans insécurité. L'insécurité, madame le bien, la Martine et la Trier, pour ne citer ça seulement et qui fait n'a cité nous là avec tristesse.
ce sont des commerçants qui aident, qui baillent pile le monde, qui mettent pile les jeunes garçons et les jeunes femmes dehors. Mais je dis, vous avez dans l'université là, je dis là, vous venez là, et puis vous avez un bon commerce, vous avez vendu pendant où il y a gay, pendant la faculté des sciences, pendant où tout côté. Et puis vous avez pile de jeunes garçons, jeunes femmes, vous avez valise sous dos, bête sous dos. C'est combien ils viennent acheter pour aller vendre dans le bureau, etc. Et c'est ça qui aide à payer, mettre la tête dehors, qui est famille. Mais je dis, pas de ça. Si vous avez un très minime, pour qui ça? Parce que j'ai payé à fonctionner là. Et malgré ça, nous avons un message par le ministre Finance là, avec le monde qui est responsable. Jean Wagné là, décapitalisé, nous ne savons pas qui c'est pour nous adresser. Jeune moyen, il y a taxé conteneur, combien millions de gouttes. Et tandis que monsieur gagne pile l'autre tout qui allait qui pas payer tout comme ça. Bon, à partir de mesdames là, nous fait faire toute démarche ça yo. Nous al Panama, moun yo pral faire conteneur, yo pral retourner jeune chrétien encore. Même Jean Satayé, m'pa croire là, que personne ministre finance qui vient taxer malheureux ça yo, qui prend pied, qui bat yo sorti dans sa yoye là, qui a taxé 4 millions, 5 millions de gouttes pour contenir qui n'est pas cotilade.